Là, je pense que nous devons tous nous réveiller. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Waouh! Bonjour, les rebelles. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis là pour crier mon ras-le-bol. Je suis vraiment surpris, même choqué, par ce que je vois à l'écran. Regardez, 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 regardez. Regardez ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? On dit que oh, c'est l'armement. L'armement. Sérieux? Alors que nous, on a fait ici, les gens gaspillent tout cet argent dans les armes. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Regardez! Regardez tout cet espace-là, toute cette terre. Ils sont venus déposer leurs armes de guerre ici. Regardez les avions. Pendant que le jeune gars, il n'a rien dans son assiette, les gens préfèrent investir de l'argent dans des armes. Des armes. Vraiment, l'homme n'aime pas l'homme. L'homme n'aime pas l'homme. Parce que moi, je ne peux pas comprendre cela. C'est presque incroyable. Seigneur Jésus. En plus, ça a été filmé. Je vous laisse regarder la vidéo. Vous voyez ça? C'est un truc hors du commun. Waouh! Regardez tout ça. Vous voyez ça, tout ça, ce sont des armes. Des armes, des armes. Et c'est beaucoup d'argent. Selon vous, c'est combien? Selon vous, c'est combien? Ça, ce sont des milliards de dollars que vous voyez comme ça ici. Des milliards de dollars. Ils ont investi dans les armes. Alors que nous, on n'a même pas un seul million d'euros. Nous, on n'a pas un seul million d'euros, mais eux ont investi beaucoup de milliards d'euros dans des armes. Comment vous pouvez admettre cela? Comment vous pouvez comprendre ça? Eh bien, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. On a posé des questions. Ils ont dit que eux, ils préfèrent bien s'armer comme ça pour que tout le monde ait peur d'eux. Et empêcher certains bandits de venir piller leur richesse. Sérieux? Donc, ils ont toute cette âme, toutes ces armes, pour pouvoir dissuader l'ennemi, dissuader toute personne qui oserait venir les chercher des embrouilles. Sérieux? Et c'est pas de la blague. Vous voyez ça? C'est presque incroyable. Regardez, de vos propres yeux. Que pouvez-vous dire de cela? Que pouvez-vous dire de cela? Incroyable, mais vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il ici? Qui peut me dire ce qui se passe ici? Attends. Pour pouvoir fabriquer ces avions, ils ont dû se rendre en Afrique pour prendre des choses sur les terres des peuples africains. Donc les choses qu'ils sont allés prendre sur les terres des peuples africains, en réalité, c'était pour venir fabriquer ça. Des armes comme ça.
Mais c'est pourquoi. Se prépare-t-il à une troisième guerre mondiale ou quoi? Mais en tout cas, moi, ce qui sert, nous, on a faim. Regardez. Nous, on a faim. Comment se fait-il que les gens soient si sensibles face à ce que la population vit? Regardez à son assiette. C'est comme hier, je mangeais mon riz tranquille avec la sauce graine. Et regardez, la sauce était finie. Je me disais, mais comment je vais faire? Seigneur, tu es joli, mais c'est comment? Pardon, faut se sentir pro. Le gars qui est sur le site les achats, regardez comment elle avait la bouche et ses yeux. C'est incroyable. Waouh. Waouh. Moi, vraiment, j'aimerais beaucoup partir votre attention là-dessus parce que, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Toutes ces armes que vous voyez là sont utilisées pour tuer les gens dans d'autres pays. Toutes ces armes que vous voyez là sont utilisées pour défendre leurs intérêts. C'est-à-dire que dès que tu les énerves, ils n'hésitent pas, hein, ils vont te montrer qu'ils sont armés. Je veux dire, quand tu as l'arsenal, quand tu as la bombe atomique, la bombe nucléaire, tout le monde a peur de toi. Et oui, les gens de la Corée du Nord, ils se vantent d'avoir toutes ces armes, même deux armes plus puissantes encore. Mais qu'en est-il de la population en fait? Qu'en est-il de la population? Là, les gens se sont armés. Ils sont armés, ils se sont armés jusqu'au temps, il n'y a plus rien à faire. Mais à quel prix? Mais à quel prix? À quel prix? Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que je sais que tôt ou tard, toutes ces armes qu'ils ont stockées ici, là, seront utilisées. Et oui, peu importe comment ça va se faire, quand ça va se faire, je sais qu'un jour, ils seront à utiliser toutes ces armes. Et ces armes seront détruites. Ces avions seront détruits. Tout ce que vous voyez là, ça sera détruit. Ce sera de l'argent parti en fumée. Beaucoup d'argent. J'ai entendu l'un des chefs militaires russes nous dire combien de fois ils ont détruit les armes des Ukrainiens. J'entends des milliers de missiles. Beaucoup d'armes détruites. Ça, c'est de l'argent. Ce sont des milliards d'euros, des milliards de dollars. Je me dis, mais attends, pourquoi ne m'ont-ils pas donné cet argent? Si elle disait, écoutez, donne-moi cet argent-là, c'est mieux, je vais manger de la bonne nourriture. Vous dites, non, non, on veut s'armer. Maintenant, regardez ce qui se passe. Mes frères et sœurs, vraiment, il faut faire attention, c'est ancien. Je préfère vous dire, attachez vos ceintures et priez beaucoup. Vraiment, c'est triste hein, de voir tout ça, c'est vraiment triste. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.